Pour commencer mon parcours, je vais vous donner quelques informations sur ma famille, parce qu'autrement vous ne pouvez pas comprendre le parcours que j'ai fait. Mon père est né en 1900 et en 1914, c'était la fin de sa scolarité, parce qu'ils ont dû émigrer en France, ils n'avaient plus d'enseignement, pas de possibilité d'études. Et il est devenu simple employé. Mais il a fait un peu de changement dans son niveau, donc une certaine promotion, si vous voulez, en reprenant la boucherie de son beau-père. Ils étaient mariés en 1927 et... En 1932, il n'y avait pas encore un enfant. Donc, ma mère a commencé à faire des pèlerinages toujours plus loin. Et finalement, elle est allée à Beaurain. Ça prenait une journée pour y arriver, parce que Beaurain, c'est dans le sud de la Belgique francophone. Et nous habitions à Nieuport, à la côte. Donc, elle est partie avec ma tante. Et neuf mois plus tard, je suis né. Donc, j'ai été défini comme un miraculé. Et moi, quand j'étais plus âgé, un jour, j'ai dit à ma mère, « Mais explique-moi un peu, ça devait avoir pris quelques... » Tant pour y arriver, oui, elle disait une journée aller, une journée pour mes dévotions et une journée pour revenir. Et je dis, ben, ça s'explique tout. Quand tu es revenu, papa t'a pris dans ses bras et voilà. Elle disait, elle ne pouvait pas accepter ça parce que tout d'un coup, ce n'était plus un miracle, c'était naturel. Bon, mon grand-père était... le secrétaire de la commune. Et il a sauvé, en 1914, les archives de Nieuport. Mais c'était un homme très autoritaire et très distant de nous. Et deux exemples. En Nouvel An, on était toujours chez lui. Et donc, tous ses enfants, avec leurs femmes, étaient là. Et là, et l'après-midi, les petits-enfants pouvaient venir parce qu'ils devaient lire leur lettre de félicitations. Et alors, ils péroraient toujours. Et apparemment, moi, j'étais assis sur les genoux de mon père, j'avais 2 ans, et j'imitais sa voix en... Alors, il se fâchait. Et mon père dit, mais c'est un petit enfant. Mais faites-le taire. Et alors, mon père s'est dit, si c'est comme ça, salut. Il s'est levé, il était parti avec ma mère. Et il y avait un deuxième... Et c'est des choses... Maintenant, cet accident, je me rappelle fort bien. On était... dans la période où on élisait un nouveau pape, Pie XII, et il avait toujours exigé, quand on entrait chez lui, il fallait aller dire bonjour et demander la bénédiction. Donc moi, à 6 ans, je suis entré, et alors il a commencé à m'engueuler, alors je suis parti chez moi en pleurant. Et j'expliquais à mon père, et mon père est allé voir son père avec moi à la main, et il a dit, mais allez, pourquoi est-ce que vous avez donc été si brutal avec mon fils?
Et il disait, ben, je n'ai pas su registrer si le pape était élu ou pas élu. Et donc, ça, c'était donc le côté de mon père et de, comment dirais-je, de mon grand-père. L'autre grand-père, c'était un homme terrible. Il était gentil, il se promenait avec moi à la mer, etc. Mes grands-mères, je n'ai jamais vu et connu. Bon, alors, pendant la guerre, 14-18, mon père était en Angleterre et ma mère aussi. Et donc, il comprenait très bien l'anglais. Il parlait l'anglais. Et les Allemands avaient repéré qu'il y avait des gens dans notre rue qui écoutaient la BBC. Et donc, il venait contrôler. Et ma mère dit, ben, venez, venez. Donc, elle monte aussi à l'étage. Elle dit, ça, c'est notre chambre. Elle ouvrait la chambre. Puis, ça, c'est la chambre de mes filles. Oh, non, non, n'ouvre pas. Et alors, ça, c'est la chambre de mon fils. Non, non, non. Où était la radio? En dessous de mon lit. Et moi, je n'ai jamais su ça. Mais il venait écouter les nouvelles du BBC dans ma chambre pendant que je dormais. Donc, ma mère était vraiment une femme rusée. J'ai fait ma communion solennelle en 1945. Et puis, j'ai terminé mes études en 1947. Et j'étais le premier de ma classe. Et donc, on trouvait que je devais faire les gréco-latines. Mais moi, je n'avais pas envie de faire les gréco-latines. Mais il fallait faire des gréco-latines. Parce que c'était la seule possibilité à Nieuport pour faire donc le nouveau secondaire. Après un an, on a dit oui, on va laisser faire les mathématiques comme il aimerait bien faire. Et j'ai dû aller dans une école plus loin de Nieuport. Normalement, ça aurait été Ostende, ça aurait été Furnes, à 10 à 15 kilomètres de chez nous. Mais ma mère ne voulait pas, parce qu'elle voyait les jeunes sur les trams et sur les bus, et ils ne voulaient pas que moi j'étais mêlé à ça. Et donc, j'ai dû aller à Bruges, aider, donc, faire mes études mathématiques à Bruges. Mais le curé de Nieuport s'y était opposé au fond. Il disait, mais non, 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 il doit rester ici, il doit faire les gréco-latines, parce qu'il serait un très bon prêtre. Et mon père a dit, lui, un prêtre, il a besoin de deux paires de pantoufles en dessous de son lit. Donc, c'était classé. Donc, mais c'était une chance pour moi d'aller à Bruges, parce que dans le temps, dans les collèges, c'était des prêtres qui donnaient cours, mais ils n'étaient pas spécialisés dans ces matières. Ils avaient fait philosophie et théologie, mais pas les mathématiques, pas la langue, etc. Donc, il y en a eu un prêtre qui avait fait son université et il a voulu stimuler les enfants, les garçons là, à aller à l'université. Et même mon père, voilà pourquoi j'ai parlé de mon père trouvait, s'il fait 3 années et qu'il devient professeur pour les 3 années au début du secondaire, c'est déjà une promotion sociale. Mais et ce prof est allé de Bruges à Nieuport pour dire à mes parents, non, laissez-le, c'est un bon étudiant, laissez-le donc aller. Donc, comme ça, les idées de promotion sociale étaient là pour stimuler mes études. Alors, à l'université, j'ai fait de très bonnes études, mais je me suis engagé aussi dans l'association
des étudiants de notre faculté, ça s'appelait Politica. Et là, j'ai, au fond, eu beaucoup de contacts avec les profs. Donc, le fait que j'avais fait de bonnes études et que je m'avais engagé et organisé pour les étudiants des, par exemple, inviter des ministres pour parler, etc. Et j'ai été poussé par un prof qui m'a dit « Maintenant, après tes sciences politiques et sociales, tu devrais faire l'économie. » Et moi, je disais « Oui, mais il faut payer ces études. » Il disait « Non, vous allez venir avec moi. » Et j'ai fait une étude sur les personnes qui sont dans notre organisation. Et vous devrez analyser ces enquêtes que j'ai fait faire et vous serez payé pour ça. Et comme ça, vous pouvez facilement faire. Mais, donc c'était dans le mouvement chrétien que je devais aller travailler. Et alors, une fois par semaine, il allait en voiture. Moi, je devais aller les autres jours en train. Et il disait, Carl, tu devais faire un doctorat. Alors, quel doctorat? Il disait, une étude de la pilarisation, par exemple, à Newport ou une autre chose. Bon, j'avais ça en tête. Mais quelques jours plus tard, il vient à mon côté, comme on appelle les chambres des étudiants. Et alors, moi, je disais, qu'est-ce qui se passe? Un prof qui vient à un code d'un étudiant, ça n'existait presque. Alors, il disait, nous allons vous présenter au Fonds national pour une bourse d'aspirant et vous pouvez faire un doctorat, alors. Et ce doctorat, ici, il y a une restriction de vos choix. Ça devait être sur la religion dans une commune à côté de Louvain. Donc voilà la réponse à la question que vous avez posée. Comment est-ce que vous êtes arrivé à étudier la sociologie et comment faire de la sociologie des religions? Et donc, j'ai commencé, mais je devais préparer en 3 jours mon application, parce que l'application était donnée mardi, devait être rentrée, et il est venu le jeudi soir. Donc, le vendredi, j'ai travaillé dans la bibliothèque, puis j'ai travaillé dans la bibliothèque et j'ai pris des livres et j'ai donc fait ma proposition et j'ai été admis et comme ça je suis devenu aspirant du fonds de recherche scientifique. Bon. Alors le problème, qu'est-ce que je vais étudier en religion? À ce moment-là, on donnait, au moment des prêches, des petites feuilles aux gens pour remplir. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ces enregistrements, un dimanche normal en octobre, par exemple, pour avoir une idée qui est là et quel est le background de ces gens. Et moi, je disais, mais c'est la pratique, c'est... La religion, c'est plus compliqué. Alors, je voulais questionner les gens sur leurs croyances, sur leur attitude, comment dirais-je, envers... comment est-ce qu'on fait ça? L'éthique. Et aussi la pratique. Mais je veux pas seulement le monsieur ou la madame que j'interroge. Je dois avoir des informations
de leur conjoint, je veux avoir des informations sur leurs enfants, etc., etc. Et donc, ce serait vraiment une interview longue. Et mais j'ai réalisé 512 interviews. Comment? Première chose, je devais recruter des gens. Deuxième chose, je devais les former. Troisième chose, je devais les payer et contrôler. Mais enfin, j'ai eu 512 interviews et voilà que j'ai fait donc mon doctorat grâce au fait qu'à un certain moment, un prof m'a dit qu'il voulait que je devienne son assistant. Et j'avais 50% pour mon doctorat. Et il disait, et tu continues à travailler pour ton doctorat à part du séminaire que tu dois donner, etc., etc. Et comme ça, je suis allé à Berkeley, à l'université de Berkeley aux États-Unis. Et ce qui était intéressant, c'est que là, j'ai rencontré Charles Glock, qui était un éminent sociologue de la religion. Et lui, il a dit, voilà, vous pouvez, dans mon institut, continuer à analyser les... Parce que j'ai dû perforer les cartes. C'était des cartes hein, dans le temps, donc je devais, moi, tout seul, coder toutes ces interviews, perforer les cartes. Et j'avais donc des cartes, mais c'était avec une tabulatrice que je travaillais à mon université. Parce qu'il y avait un très grand computer, mais c'était pour les autres sciences. Moi, je ne pouvais pas travailler là. Mais grâce à Charles Glock, je pouvais faire donc dans le computer de son... Et en même temps, il y avait là des sociologues très connus, Smelser, Selznick et autres. Et là, j'ai suivi ces cours de théorie. Mais surtout, j'ai aussi suivi un cours de méthodologie. Et ça permettait pour moi de faire donc une enquête et analyser ces enquêtes. Et ça, c'est le doctorat. Et je pouvais donc faire des tableaux à quatre donner des tableaux où je pouvais analyser l'effet de la mobilité sociale, l'effet à l'âge, etc. Donc tout c'était et ça, c'était, je crois, la première étude en sociologie qui était avantagée par toutes les aides que j'ai reçues. Et à ce moment-là, j'ai été très dur sur les étudiants. Si ils donnaient des tableaux à une entrée, mais je dis, mais et les effets, il faut neutraliser et incorporer d'autres données. Mais ça, j'avais appris à Berkeley. Voilà, ça c'était mon doctorat. Je suis revenu à Louvain et étant jeune académique, on me nomme professeur, mais pas dans la plus basse hiérarchie. Hein. Et alors on disait, voilà, Doblard, vous êtes dans... C'était des facultés à ce moment-là bilingues. Il y avait les francophones, il y avait les néerlandophones. Et moi, j'étais le secrétaire qui devait tout faire les documents en néerlandais, et il y avait un autre qui faisait les documents en français, et il y avait un doyen qui gouvernait. Donc, la première fois que je vais à une réunion de la faculté, je devais noter les interventions, faire le rapport. Et il y avait un prof d'économie très connu, très autoritaire, qui parlait pendant un quart d'heure. Moi, je dis, mais qu'est-ce que je dois
registré de tout ce qu'il a dit. Alors, je demandais la parole au doyen et je demandais en flamand, néerlandais si vous voulez, est-ce que M. Dupriez ne voudrait pas spécifier un peu les points qu'il aimerait avoir dans mon rapport. Alors lui, et je demandais ça en néerlandais parce que c'était bilingue, mais normalement, tout le monde parlait français et ceux des flamands qui ne voulaient pas parler français ne venaient pas. Et voilà, le type disait, « Qui est ce gamin-là ?» Alors j'étais furieux. Mais ça, c'était des choses qui se passaient avant les changements en Belgique. Et vous, Canadiens, vous devez comprendre ça. On a eu comme ça des cas qui vraiment faisaient que je devais intellectuellement et sentimentalement, et dans mon fort intérieur, très agressif. Et alors, un autre exemple de ces faits, j'ai été élu dans la Société belge de sociologie, qui était soi-disant bilingue, et le directeur disait, écoutez, Doblard, c'est bilingue, vous le faites en néerlandais. Donc, moi, je faisais mon exposé en néerlandais, et en face de moi, les francophones étaient en train de faire leur correspondance. Je parlais comme pour personne. Et à un certain moment, c'était la discussion, il y a un des francophones qui était assis en face de moi qui disait « Et quel est l'effet de la mobilité sociale sur la religion ?» Et au lieu de lui répondre, j'ai dit « Ça, c'était vraiment le corps de mon exposé, mais je l'ai dit en flamand, vous n'avez certainement pas compris. » Et je ne voulais pas répondre. Donc, dans l'organisation, il commençait petit à petit, les francophones, à réaliser que notre génération, on n'accepte plus d'être traité comme citoyen ou professeur de seconde classe. Donc, voilà. Mais ça arrivait aussi, par exemple, à Bruxelles. J'allais avec ma femme pour un costume. Je demandais des explications. Le maître tailleur disait, ah, « Une minute, monsieur. » Il allait chercher une femme de ménage et il disait, « Elle va bien traduire pour vous. » J'ai dit, « Je n'ai pas besoin de cette dame. » Moi, je parle aussi le français, mais vous ne savez même pas comprendre le flamand. Donc, c'était à ce moment, vraiment, c'est pour vous donner... comme Canadien, vous devez comprendre ça. On était agressif, vraiment. On devenait très agressif. Et moi, je dis toujours à Liliane, moi, je n'aurais jamais pu me marier avec toi si toi, tu n'avais pas... était capable de parler néerlandais avec moi, les enfants et tout le monde. Ça aurait été impossible. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler sur la faculté des sciences sociales et le CADOC. Donc, j'ai été, à un certain moment, invité comme professeur à Kent State University en Ohio. C'est là où il y avait ces manifestations. Et donc, vous connaissez certainement le fait qu'il y a eu des gardes nationales qui ont tiré sur les étudiants. Il y avait 4 étudiants morts. Donc, c'était à cette université donc, que j'ai été. Et je reviens à Louvain, et parce que j'ai été parti pendant un trimestre, et je reviens, et il y avait une collision dans la faculté, parce que nous étions une faculté
sociale et politique, il y avait une collusion parce qu'il y en avait qui voulaient scinder la faculté en sciences sociales et sciences économiques. Voilà. Les économistes et les sciences politiques et communication de masse ne voulaient pas. Les sciences économiques appliquées et les sociologues voulaient. Et donc, j'arrivais là et on voulait arriver à un compromis. Et donc, le compromis était font-le comme ça, on aura des sous-facultés. Une sous-faculté des sciences sociales et une sous-faculté des sciences économiques. Et moi, je n'avais pas été impliqué dans rien du tout. Je devenais tout de suite le responsable pour les sciences sociales et politiques. Mais alors, on était vraiment dans une période où il y avait aussi chez nous des problèmes avec les étudiants. C'était 69-70, 70-71. Et donc, il y avait beaucoup de manifestations des étudiants. Ils allaient en grève. Et en grève, ça voulait dire qu'ils occupaient certaines places. La bibliothèque, mon bureau à un certain moment. Alors, moi, j'ai toujours été très dur avec les étudiants. Je vais parler, mais vous devez quitter la bibliothèque, vous devez quitter mon bureau. Et si vous ne voulez pas, je ne parle pas. Donc, finalement, ils ont terminé leur grève après la troisième semaine. Et à ce moment-là, c'est les économistes qui sont venus demander est-ce que ce n'est pas mieux qu'on scinde cette faculté? Parce que dans la presse, on parlait toujours de la grève dans la faculté des sciences sociales et économiques. Et donc, ils trouvaient que ça aurait une influence négative sur leurs étudiants une fois quand ils sont employés dans les sociétés, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, on scinde cette université et étant président de la sous-section, je devenais tout de suite doyen de la faculté, donc un doyen très jeune. Et j'avais des problèmes avec mes professeurs qui avaient 10 ans et plus que moi et qui voulaient faire des tours, avoir des gens directement par l'université. Et moi, je disais au recteur, ça n'a pas été discuté à la faculté. Donc, alors, il dit non, non, ils ne vont pas l'avoir. Et à un certain moment, les profs anciens, parce qu'on avait aussi un bureau, et ces anciens étaient tous, ou de ces vieux, que je dis, étaient tous dans mon bureau. Et moi, j'étais le plus jeune, là. Alors, on préparait la réunion de la faculté, mais ils me contredisaient. Ah, je dis ça, je n'accepte pas. Hein. Donc, réunion samedi à 10 heures. Et ils sont venus, tous les quatre. Et j'ai dit, voilà ma démission. Parce que je n'accepte pas qu'on a discuté, qu'on était d'accord et que vous me contredisez. Oh, il y avait un qui disait, mais il y a la hiérarchie, la structure fixe, et il y a la... Comment est-ce qu'on appelle ça de nouveau Processus. S'il vous plaît. Le processus. Non, la structure officielle et la structure non-officielle. Officieuse. Je dis, il ne faut pas me donner une leçon d'un cours de sociologie. Je donne ça à mes étudiants aussi. Mais ça, je n'accepte pas. C'est moi qui suis doyen. Ou voilà ma
démission. C'est terminé. Je n'ai plus de problème. Voilà. Alors, doctorat fait, visite aux États-Unis et je devais doyen. Il me fait signer.